À l'aube des indépendances, la Côte d'Ivoire a mis un accent particulier sur la scolarisation. On note toutefois qu'à cette époque, la grande majorité des chefs de famille étaient plus réticents à la scolarisation des filles. Pour eux, la place de la femme était au foyer. La jeune fille, socialisée dans ce sens, avait plus tard pour rôle de s'occuper de son époux, des autres membres de la famille et d'assurer la gestion quotidienne du ménage, l'éducation des enfants, la cuisine, la corée d'eau, l'entretien de la maison, etc. Dans ces conditions, pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle d'épouse dans une Côte d'Ivoire moderne, le gouvernement a jugé opportun d'ouvrir en 1958 les premières structures d'éducation appelées foyers féminins. La vocation de ces foyers était d'éduquer les femmes pour en faire d'excellentes maîtresses de maison, sachant lire et écrire, mais surtout tenir correctement leur foyer conjugal. Les institutions d'éducation, de formation et d'éducation féminine sont des structures de formation et d'éducation d'offres alternatives pour l'éducation des femmes et des jeunes filles déscolarisées. Au niveau de la région de Boaké, avant la crise, nous avions à peu près 4 IFEF. Au niveau de Boaké, il y avait 2. Au niveau de la région, département de Boutro, il y en avait 1. Mais après la crise, compte tenu des effets, tout ça a été dégradé. Et puis, il nous reste que 2 IFEF au niveau de Boaké qui sont fonctionnels. Pour celle de Boutro, ça a été réhabilité. Et la rentrée prochaine, nous comptons ouvrir cela. Surtout récemment, dans la commune de Sakassou, les populations de Yablassou ont offert un bâtiment au ministère pour en faire une IFEF. Donc à la rentrée prochaine, nous aurons 4 IFEF fonctionnels dans la région de Boaké. Au niveau de Cocon et puis Air France, c'est les 2 qui sont fonctionnels en ce moment. Je me nomme Bouane Fatoumata. Je suis la responsable de l'IFEF de Boaké, Air France. L'IFEF est située au quartier Air France 1, en face de la pharmacie Air France 1, rue 21. Voilà. L'IFEF a ouvert ses portes après la guerre. Ça fait 4 ans maintenant. Nous avons 55 productrices. 5 maîtresses plus la directrice. Nous avons tous été affectés par l'État. Et ce sont ces mêmes femmes qui encadrent les femmes, les jeunes filles au niveau de l'école et à l'extérieur aussi. On a fait un programme dont les femmes vont encadrer les femmes dans les différentes associations et dans les marchés aussi. Directrice de l'IFEF de Boaké Coco. L'IFEF de Boaké Coco a été créée en 1958, la date même de création des IFEF en Côte d'Ivoire. Et ses missions ont évolué comme toutes les autres IFEF en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous nous occupons, en plus des femmes analphabètes, des femmes au foyer, des jeunes filles déscolarisées qui n'ont pas pu avoir des activités rémunératrices de revenus ou alors qui n'ont pas pu s'insérer dans le tissu social. Donc nous les accueillons ici en vue de les former pour qu'elles puissent exercer un métier plus tard ou avoir une activité génératrice de revenus. Donc nous passons forcément par l'alphabétisation, la mission que le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant nous a assignée. D'après les consignes que nous avons reçues et les ordonnances que nous avons reçues de Madame le ministre Loto, nous avons pour mission première d'alphabétiser les femmes. Et je pense en tout cas pour moi que c'est la première de nos priorités ici à Boaké parce que nous avons remarqué qu'il y a énormément de femmes actives, des commerçantes. En tout cas, il y a beaucoup de femmes. Les femmes actives à Boaké sont nombreuses, mais il se présente la difficulté de l'analphabétisme. Donc, une de nos missions premières, c'est d'aider les femmes, de leur apprendre à lire, à écrire d'abord,
Et puis ensuite, pour les jeunes filles que nous avons ici, qui viennent vers nous ou que nous rencontrons en ville, c'est de les amener à exercer un métier à travers les matières pratiques que nous avons, telles que la couture, la broderie, la pâtisserie et la teinture aussi. Et puis, ce qu'on appelle l'art décoratif, c'est-à-dire que nous, nous faisons les décorations de voitures, de lieux de réception, de cérémonies, tout ça. Donc, nous leur apprenons ces différents métiers pour qu'elles puissent au moins exercer quelque chose, une activité qui puisse leur apporter quelque chose, leur permettre d'être autonomes. Maintenant, l'objectif à court terme que nous nous fixons ici, à l'IFEB de Coco, c'est de créer ce qu'on appelle une unité de production ou sinon un pôle de production. Avec l'évolution des objectifs des institutions de formation et d'éducation féminine, il ne s'agit plus d'éduquer la femme et la jeune fille pour en faire uniquement une bonne maîtresse de maison, mais surtout de leur donner des compétences et des outils d'épanouissement leur permettant d'être financièrement indépendantes et d'œuvrer ainsi au développement de leur pays. Je m'appelle Kone Seto. J'ai fait la formation en 1991-90. J'ai fait 3 ans au foyer. Et j'ai fini, j'ai eu mon diplôme. Je suis sortie. J'ai continué à apprendre aux particuliers et puis les grandes personnes aussi. Et j'ai fait 6 ans. 6 ans d'apprentissage. J'ai fini et j'ai fait mon atelier. C'est l'atelier qui est là. Franchement, ça me donne quelque chose en tout cas. J'arrive à aider mon mari, à m'occuper de mes enfants. Puis moi-même, ça va, grâce au bon Dieu, ça. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4. 2 filles, 2 garçons. Les différentes crises politico-militaires de 1999 et de 2002 qu'a vécu le pays, accentuées par les événements post-électoraux du 28 novembre 2010, ont fragilisé l'unité nationale et par conséquent aggravé les inégalités dans les niveaux de développement des régions. Ces crises ont par ailleurs fragilisé la situation des femmes et des jeunes filles déjà vulnérables bien avant leur déclenchement. C'est dans cette optique que le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, entend développer une politique volontariste de redynamisation des institutions de formation et d'éducation féminine pour en faire de véritables outils de promotion et d'autonomisation de la femme et de la jeune fille pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. D'où le choix du thème de la journée porte ouverte des IFEF organisée par la direction régionale de Gueké. IFEF, outil d'accélération de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille pour une Côte d'Ivoire émergente. Quels sont les objectifs visés et quels sont les résultats attendus? Bon, les résultats attendus sont... Comme nous tendons à la normalisation, nous sommes dans la normalisation. Donc nous voulons quand même faire prendre conscience à la population que ces structures existent. Hein, ces structures de base hein, au niveau des populations pour aider les femmes et les jeunes filles hein, à pouvoir s'insérer au niveau de la communauté, au niveau économique même de leur pays. Ces jeunes filles ayant reçu l'information, la formation puissent prendre part au processus de développement de notre nation. Ensuite, donner une éducation même à la femme. Hein, connaissant l'existence de ces femmes, ces jeunes filles viendraient se former. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'éducation. L'éducation permet d'avoir tous les droits. On connaît les droits de la femme dans nos pays en général qui sont bafoués au-delà. Le ministère, dans sa politique de promotion des droits de la femme, entend impliquer toutes les structures des bases qui sont les IFEV, qui sont à l'image de ce ministère, ce qu'est l'école au niveau de l'éducation nationale. Ensuite, bon, un plaidoyer auprès
sociétés, hein, les sociétés déconcentrées, que sont les mairies, et puis la société civile, et puis bon, les opérateurs économiques. Ces filles-là, après 3 ans de formation, c'est vrai, nous avons des difficultés. Bon, le ministère n'a pas jusqu'ici un circuit d'insertion de ces filles-là, mais elles s'installent à l'air comme avec l'aide, avec l'appui du ministère, évidemment. Donc, demander à nos partenaires de s'impliquer davantage, que ces femmes-là, au niveau, par exemple, de l'art floral, celle qui tient un magasin de fleurs, ces jeunes filles, elles ont fait la formation, elles peuvent tenir valablement. Elles ont fait l'économie simplifiée, le calcul. Donc tout ça là, elles peuvent pour pouvoir apporter leur appui également là-bas. Donc sans cela, quand même, nous voulons attirer l'attention des autorités, des partenaires, pour pouvoir appuyer le ministère à la sortie de ces, à la fin de formation de ces jeunes filles, pour pouvoir aider à leur insertion socio-économique. La durée de la formation dans les IFEF est de 3 ans pour les auditrices régulièrement inscrites et de 2 semaines à 6 mois pour les sessions de formation destinées aux fonctionnaires, aux commerçants ainsi qu'aux élèves, le tout sanctionné par une attestation de fin de formation. La formation se déroule aussi bien au sein des IFEF qu'en dehors, avec les associations et groupements de femmes, surtout en alphabétisation. La difficulté que nous avons, c'est au niveau de notre local. Parce que le local étant baillé, il est difficile pour les organismes qui veulent nous aider de pouvoir réhabiliter le local, comme vous l'avez vu. Mais nous bénéficions des personnes de bonne volonté qui nous ont aidés quand même à trouver des pistes de solutions en attendant que nous entrions en possession de terrains et autres locaux qui nous ont été promis par Monsieur le maire. Et la seconde difficulté, c'est au niveau de la notoriété. Les IFEF étaient très connus avant, quand c'était des foyers féminins pour la maman qui veut apprendre à prendre soin de ses enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, quand nous venons professionnaliser la formation des filles, il se trouve qu'il y a un décalage. Et donc, la deuxième de nos missions, en dehors de celle que nous avons énumérée, c'est de faire connaître l'IFEF. Et je pense que la journée porte ouverte est bienvenue parce que nous avons sincèrement besoin de faire connaître nos IFEF et puis les activités que nous menons, parce que c'est pour la femme et puis c'est pour lui permettre d'être autonome. Elle n'a pas besoin, elle est capable, la jeune femme, la jeune fille est capable d'exercer des activités qui vont l'aider même dans sa fonction de mère au foyer ou bien dans son rôle auprès de son mari. La dame n'a pas besoin de demander chaque fois de l'argent à qui que ce soit parce qu'elle est capable. Et puis les filles que nous avons une trentaine de filles, sans compter celles que nous avons hors IFEF. Nous avons déjà une expérience, une de nos couturières qui est en atelier. Étant donné qu'elle n'a pas appris les rudiments de l'entrepreneuriat, si je peux m'exprimer entre griffes, nous l'avons mise en atelier de sorte à ce qu'elle puisse apprendre auprès des couturières comment est-ce qu'on gère un atelier. Ce n'est pas pour avoir la main, parce que je précise qu'elle est déjà opérationnelle. Elle coud déjà des habits, mais elle n'a pas, comment je veux dire, il faut qu'elle se frotte au milieu même du commerce. Est-ce qu'elle peut livrer le matériel, les tenues à temps? Est-ce qu'elle peut s'organiser? Et donc nous avons préféré, étant donné que nous n'avons pas d'atelier sur la main, nous avons préféré la mettre en atelier pour qu'elle vive les réalités du pays. En tout cas, il ne faudrait pas que les parents disent que non, à l'IFEF on ne fait rien, les filles non. En tout cas, là, une fille qui sort de là-bas qui dit non qu'on ne fait rien, c'est que c'est parce qu'elle ne veut rien faire. De toute façon, on apprend tout. Elle forme des femmes, des maîtresses de personnes. Donc, à l'IFEF, en tout cas, c'est une école de formation. Quand tu sors de là, tu sais comment entreprendre les choses pour pouvoir te retrouver. Non, passer un concours. Le concours se passe à Congo. Normalement, si il y a beaucoup de filles ici, ils vont passer le concours ici. Maintenant, comme on n'était pas encore à la cause,
On a fini. Après ça, on a eu. Vous voyez, à Kourougou, il y a été la première. Bonnoir ici, à Boiré ici. Donc de là, nous envoie à Abidjan pour passer un concours. On a passé le concours, c'est fini. On nous a remis des machines. Et nous avons envoyé ici aussi pour essayer de pour pouvoir gérer. Moi-même, un atelier. Alors, je suis ici pour apprendre tout. Comment gérer l'atelier, comment me comporter avec les clients. Comment c'est pour ça. Je suis là. Et comment les temps vous êtes là? Je suis là. Je coupe. C'est moi-même qui ai poussé sur moi. Je coupe. On fait des habits des autres. Comme Flomé, comme moi, je coupe. Il y a des gens qui me donnent des choses, du coup. Arrive à manger, je dis moi, je prends de manger. Et là-bas aussi, nous avons appris à faire les jus, les yaourts. Quand je fais les jus à la maison, je vends. Donc ça m'aide à m'entretenir, à être indépendante. Ce qu'il peut dire à les soeurs, si elles ont, si leurs parents, ils ont besoin de leur mettre des informations. Elle prend courage. C'est toute chose, c'est le courage. Et si tu as le courage aussi, tu peux obtenir ce que tu veux. Et je leur dis d'avoir le courage de t'entraîner. Il ne faudrait pas que c'est le courage parce que la vie n'est pas facile. Nos mamans aussi qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, je leur dis d'avoir le courage d'aller faire la vie. Parce qu'il y a des moments qui font l'alphabétisation là-bas, des jeunes filles qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ça pourrait être bien. Ça leur permet de pouvoir, par exemple, si elles vont pour aller faire un dépôt, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Mais si tu sais lire, si tu vas aller donner ton portable à quelqu'un pour pouvoir faire ton dépôt à ta place. La journée porte ouverte des institutions de formation et d'éducation féminine est une opportunité pour promouvoir les services offerts par celles-ci en vue d'accroître leur taux de fréquentation, favoriser l'insertion professionnelle et contribuer à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Aussi, s'agit-il pour la direction régionale de partager la vision du ministère avec les autorités locales.